c'est bon, hop. Hop là. Et je peux pas participer. Damn it. Voilà. Bien, dites au capitaine que je serai de retour dès que j'aurai effectué cette tâche. À la métro de Farage, vous me direz. Ravi de vous avoir à bord. Je suis le lieutenant Silas, commandant en second de la Serre Noire. Nous sommes votre transport pour Drummond Pass. Trop de mascara. Pas de peinture. Plutôt sobre comme accueil. Pour quelle raison votre capitaine n'a pas pris la peine de se déranger? Mon fils, nous sommes des seigneurs, si tu dois le respect, gamine. À notre vitesse actuelle, nous devrions atteindre la capitale dans une journée. C'est trop lent. Je voulais aussi préciser au nom de tout l'équipage que c'est un honneur de servir l'académie de Corriban et les Sith. Vous êtes ici notre invité. Bla 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 bla. Vous avez bien de la chance. Tâchez d'être à la hauteur de l'honneur qui vous est fait. Compris, Excellence. Un dépôt d'affection avec Maître. Je ne retiens pas plus longtemps. Dès que nous arrivons dans le système Dromoon. Comment t'as vu? J'ai mis la 3. En attendant, votre droïde se trouve putain, dans la salle. Putain, moi ça m'en a pas mis. Mon droïde. Nous l'avons récupéré avec les surclassés de Géonosis. Je l'ai pas appelé. À l'embarquement. Si vous le dites. Bah. Ouais, écoute, il est venu tout seul, et puis voilà. Si vous le dites. Mon droïde m'attend. Je vais aller voir ce qu'il veut. N'hésitez pas à contacter l'équipage si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je serai sur la passerelle. Ouais. Et vous, soldats. Maza. Garde d'honneur, vous retournerez à votre. Elle m'énerve, la gonzesse. Un yacht de luxe. Bah, il y aura sûrement l'occasion de la buter. Oh putain, oui. Je sais pas, un truc qu'elle a fait, qu'elle a mal fait, hop, t'es viré. Non, c'est même pas viré. Avec moi, non. Tu es congé. Vire pas, tu meurs. Non mais c'est ce que je voulais dire. Tu meurs, pardon, avec la souffrance, transpercé par mes deux sabres laser. Les fonctions sont la diplomatie, ah non, c'est pas notre droïde. La traduction, l'homicide et la calomnie. Oh, l'homicide. J'ai pour vous un message urgent de la part de mon maître. Merci d'en attendre la diffusion. J'en ai pour vous un message urgent de la part de mon maître. Merci d'en attendre la diffusion. M'intéresse pas. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie d'écouter ce que raconte ton maître? Je suis certain que cela vous intéressera. Quiconque voyage dans l'espace impérial se doit d'écouter mon maître. Ouais. Ici, unité NR02 à Grand Moff Killra. Vous êtes en liaison avec la... Tu peux pas le couper, le droïde. Très bien. Et tu as trouvé exactement les gens... Déjà, le droïde, pas confiance. Mon nom est Lucus Killra. C'est l'homicide, calomnie et tout le bordel. Second du ministre... Diplomatie, c'est le plus dangereux. Mon titre préféré, le célèbre... Le droïde de Coruscant. Un boucher de Coruscant. Oh. Bah, allez vite. Vous parlez à l'apprenti de Dark Barras. Veuillez expliquer votre intrusion. Il y a 6 heures de bla, 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 espace. A initié une escarmouche illégale aux frontières de l'espace. Parce que, bon, oui. Un de leurs vaisseaux, ce vaisseau de guerre. Ce vaisseau de guerre, l'étoile de Brental, transporte un passager. Un passager d'une importance stratégique vitale. Seul votre transport est en position d'intercepter. Que dois-je faire? Pas de bol. Quoi, moi, au juste? Je viendrai dans un instant. Ce passager est connu sous le nom de Général. Uh-huh. Nous ne connaissons pas sa véritable identité. Ah, c'est un général de guerre de la République. N'hésitez pas à lui montrer. Le général doit être. Dentra, les réglés le problème du général. Ouh, vous êtes capturé ou éliminé. Ça, c'est bon. Le transport ne partage pas mon enthousiasme. Il refuse d'attaquer. Pas je parie que le buter, ça va te donner le max pragmatisme. Ah bah, on le bute. J'ai d'autres priorités. C'est un sacré programme, dis donc. Ce que vous me demandez est des plus délicats. C'est ce que j'ai dit. Nous vivons des temps complexes. Le conflit millénaire qui nous oppose à la République menace de s'embraser à force d'escarmouches. Ta gueule, le robot. Ta gueule, tu m'inspires vraiment pas confiance. Je vais vous conduire à la une fois le sort du capitaine et aussi une réglée. Ah, d'accord, faut buter le capitaine apparemment. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais déjà étripé, espèce de robot à la con. Nyeh. Veuillez ne pas rester ici, s'il vous plaît. Ok, toi, tu me. Démarrer la conversation. Halt!
Ceci est une zone restreinte. Le poste de commandement du capitaine Orzik. Ne m'inspire pas confiance, le gros lourdeau. Veuillez repousser votre chemin. Tu sais à qui tu parles? Il sait à qui il parle au moins. Dites adieu à la vie. C'en est terminé. Sortez les blasters! Attaque! Attaque! Bonjour! Je le vois pas! Je le vois pas! Je tape dans le vide! Le matos! Le campérol! Le pognon! Attends, le matos au cas où! Non, mais je vais juste récupérer le pognon! C'est trop facile! Si t'as pas compris, on vient foutre le bordel! Oh, je pouvais faire péter un truc! Des explosions, du feu, du sang! Mais c'est le plus foireux! Bonjour! Dark Vador, c'est une quiche qu'on passe! Ensemble, on est Edvesemer! À part, ouais! La pouvoir des Sith est en nous, je gamin! Si c'est la perte de vie qui vous inquiète, rassurez-vous, la mort des membres de l'équipage blessé sera stratégiquement insignifiante. T'écoutes ce qu'il vient de dire, le droïde? Oui, je suis là, le droïde n'a rien à péter! Bon, en même temps, moi aussi. Je veux dire, moi aussi, j'en ai rien à péter. Par contre, moi, faut vraiment qu'on trouve un marchand et vite. Ah. Il doit y en avoir un pas loin, normalement. Mon matos est en train de faiblir, mais à une vitesse. T'en faire pétain! Les gars, je suis à côté, espèce de... Mais y a pas de PVP, t'inquiète. Je crois pas. Bonjour! Tourbillon magique! Niaha! Bruit de sécurité. Bulle. On était vos invités d'honneur, bande d'enculés. On fout le bordel sur les alliés. Tu crois? Non. Les derniers. Bonjour. On est les 7 les plus foireux du monde. Mais non, tu fais du mal. Du pognon. Par moi. Merde, c'était pas ce que je voulais faire. Bon bah tant pis. Non, nous n'avons pas décimé. Nous n'avons pas décimé tout l'équipage militaire. Oh mon dieu. On est laissé dire si les plus hommes. Que se passe-t-il? Capitaine, restez calme, enseigne. Tout le monde reste calme. A ton avis, il va dire quelque chose parce qu'on l'a buté à l'autre? Waouh! C'est rien. C'était un dommage collatéral. Bon, je peux parler? En attente des membres du groupe. Écoutez-moi, lâche. Vous portez secours aux blessés? Écoutez-moi, lâche. Coopération ou la mort? Ne touchez plus les consoles. Nous vous écoutons, Excellence. C'est bien l'armée. Je peux m'occuper de ça, lieutenant. Je suis le capitaine Revina Lorzik. Je pense savoir ce qui se passe. Pour votre information, j'assumerai la pleine responsabilité de mes actes. Et alors? Vous avez désobéi à un ordre direct. Capitaine Orzik, j'ai été informé de votre refus d'appliquer les instructions. Affirmatif. Je ne pensais pas que cette réaction serait aussi brutale. Il doit vraiment vouloir mettre la main sur ce passager de l'étoile de Brenthal, où il m'en veut personnellement. Les deux. La serre noire sera détruite si on attaque un croiseur. J'ai déjà combattu, et je combattrai encore. Mais les missions suicides ne m'intéressent pas. Votre suicide. Ouh, 100 points de pragmatisme. Votre supérieur. Moins 22 pour Vett. Oh,
Par contre, tu veux pas faire la romance avec elle, de toute façon, t'as dit. Taisez-vous. Vous avez notre complète attention, Excellence. Quels sont les ordres? Prenez-en tous de la graine. Que ceci vous serve de leçon. Votre seul espoir de survie est l'obéissance complète. Oui, Excellence. Oui, Excellence. En vertu de l'article 27A du Code impérial militaire, le commandement de ce vaisseau a été légalement transféré. De nouvelles instructions ont été téléchargées sur vos consoles. Priorité numéro 1, l'interception de l'étoile de Pléna. Excellent, droïde. Brokara, suivez les ordres du droïde et préparez-vous à passer en hyperespace. Bon, oui. Accouche. Sortie d'hyperespace effectuée. Vaisseau de guerre de classe 30A repéré. Dégâts modérés sur son armement et ses boucliers arrière. Tire ennemi. Turbo laser. Bon, en gros, c'est la merde, on va se faire envoyer. Lieutenant. Ah, t'as avancé, ok. Quelle incompétence. Le danger ajoute un peu de piment. Je vais les insulter, moi. S'ils attaquent au système primaire, le vaisseau est fichu. S'ils sont dans la salle des... S'ils sont dans la salle des garçons, machin... C'est trop facile. Je ferai les yeux fermés. Je transmets les coordonnées des brèches sur... Et ne vous inquiétez pas, nous ne laisserons pas ces vermines. Ça récupère quand même, j'essaye. Je ruge. Voilà, c'est je t'attends. Chacun de son côté. Non mais c'est de ce côté-là, c'est de mon côté. Le mec il veut tout se faire perso. Mais non, mais ça fait plus Mais oui, mais ils attaquent que d'un seul côté ces boulets donc Oh, on a perdu des alliés. Tant pis, ils étaient incompétents. Bonjour. Je vais voir si au fond il y en a pas. Si, il doit avancer normalement. Ah putain, mais. Aïe, je me reprends tous les murs moi. Ah, pourtant il y a que 14 personnes. Wouah. Il va aller ressortir ce putain de connerie. Oh, mes robots préférés, les abrutis. C'est tous abrutis. Et des droïdes aussi cons que cons. Aussi con que dans l'animé Star Wars. En mode bien reçu, bien reçu, bien reçu, bien reçu. Tu te rappelles du code? Ouais, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. non mais. Oh mon dieu, that's Star Wars. C'est comme une Wars. Bon, je t'attends. Vite, le bouton rouge. Ça a aucun sens, mais bon. Ouah, ça pète de tous les sens. Force de sécurité supplémentaire requise. Mais non, il n'y a pas besoin de force supplémentaire requise. Regarde. Réponse attendue. T'en as oublié. Je le sais parce que c'est le gros qui m'intéresse. Oui, je sais, t'aimes les gros calibres. Je vous en prie. Les droïdes nous ont enfermés à l'extérieur de la salle des commandes. Il est où l'autre? Déjà. Plus de puissance. Un autre. Entre le niveau précédent, on galérait comme des putains de bâtards. On galérait? Ah bon. Je disais juste qu'on se faisait massacrer. Tiens, le boss. C'est contre lui que j'ai eu ma veste. Enfin, ma robe. Mais attends, il y a des larbins. Il va falloir que tu avant. Ouais, mais attends, va sur les côtés avant, parce qu'il y a des larvas. Oui. Déjà. Bon, il spawn là. Bon, en plus, il y a un objectif bonus, détruire tous les droïdes de sabotage. Pas attaquer le gros. Pas tout de suite. On a éliminé d'abord les larbins. Mais putain, l'attaque n'a pas fonctionné. C'est quoi ces bandes de branquignoles? Il a combien de points de vie? C'est 1000. Mais dada, qu'on peut à l'autre. Je peux? Oui, vas-y. Je peux l'attaquer en premier? Oui, vas-y. Il y a de ça et... Yo! Ah, tu me le laisses.
Ok, je finis mon attaque. Je dis juste avec d'envoyer des grenades, c'est tout. Bah tiens, il y a des droïdes sondes qui attaquent, donc attends. Je m'occupe des petits. Tu me dis si t'as besoin d'aide. Oh non, non. C'est bon, il est flex. Ici le lieutenant Silas. Si vous me recevez, nous avons besoin de vous sur la passerelle. Botte de chasseur noir. Je te y laisse. Quoique, attends. Ah, requiert armure load, fuck. J'ai pas armure load. Je sais pas si t'as, toi. Non, je crois pas, non. Bah, par contre, j'ai de quoi augmenter encore un truc malice. Augmente la chance de coup critique avec la force. Ça te rend maléfique autour de moi. J'aime ça. Ah bah merde, les ingénieurs sont morts. Ah bah merde. Ah c'est malheureux. Ah ouais, c'est là mon dieu. Ah, c'était peut-être pas sur ce boss là que j'avais récupéré la veste. Oui, au pire. Hein. Bon, tu trouveras bien du matos, je pense. Ils vont bien t'en donner. On a encore 3 ou 4 boss donc. Ta gueule, bête. Juste ta gueule. Alors, Wade, ça avance les opérations? Je t'attends pour commencer la conve. Hein? Merde! Arrête de reluquer ton sabre laser. Oups. Rapport de dégâts en provenance de tous les ponts. On tient le coup, mais je ne sais pas pour combien de temps. Renforcer les boucliers. Ça dure suffisamment, enseigne. Votre vie et votre carrière sont en jeu. Attention, les représentants du Grand Moff Killran sont de retour. Félicitations, Excellence. Les rapports de sécurité indiquent que les droïdes de sabotage ont été détruits. Gardez vos flatteries. Bon, gardez vos flatteries. Je n'ai pas besoin de vos félicitations, lieutenant. Oups. Juste de votre obéissance. Oh, pitié, ne nous tuez pas. Taisez-vous, Arsène, ou je vous tuerai moi-même. Moi et lui. Nous avons pénétré les défenses extérieures de l'étoile Brenta. Oh, c'est juste de la chair à canon. Pas avant d'être à portée de chasseurs. Après tout, on a nos capsules d'évacuation. Non, c'est un message, mais il ne vient pas de l'étoile de Brenta. Il ne vient pas de l'étoile de Brenta. Ah bon? Qu'attendez-vous? Je n'aime pas les pauses théâtrales. J'active la communication immédiatement. Plus 11 points avec Vette. Ici Grand Maître Jedi Satil Shan, au vaisseau impérial non identifié. Je suis en route pour votre position avec 16 vaisseaux de la République. Je vous demande de partir avant que d'autres vies ne soient perdues. 16 vaisseaux, c'est tout. Continuez l'attaque. Ignorez cette transmission. Gardez le cap sur l'étoile de... J'adore la balafre que j'ai sur le gueule. Compris. Trajectoire et vitesse maintenue. À vous, elle est... L'étoile de Brenta, oui, j'avoue. À vous, elle est précise. Moi, j'adore mon casque, ça fait vraiment... Ouais, mais de toute façon, je vais l'avoir. Nous venons de neutraliser... Moi, je vais faire en faisant une mission secondaire au Temple Noir, je crois. La paix entre la République et l'Empire est suffisamment fragile. Ça va être bon, ça va être bon, ça. La paix entre la République et l'Empire... Vous n'imaginez pas à quel point... Tellement fragile que je m'apprête à la faire voler en éclats. Votre agressivité vous dessert et dessert votre empire. Mais. Incidents de ce genre sont fréquents dans la galaxie. Mais tu respectes Jedi. T'es un Jedi, je suis un Sith, je vais pas te respecter, ma mignonne. Sinon, que la force soit avec vous. Car les hommes et les femmes à bord de respect ce vaisseau tiendront jusqu'à ce que nous arrivions. Et vous connaîtrez la défaite. Trêve de bavardage, passons à l'action pour la bataille. Ce sera le seul moyen pour moi d'obtenir le silence. Votre position est claire. Je vous suggère de vous préparer à affronter un Jedi. Ok, et oui. Réfléchir à ce que ça signifie. T'as déjà tué un Jedi? T'as déjà tué un Jedi, en fait? Nous sommes à portée des chasseurs. Moi? L'étoile de Brenta lance son premier... Pas encore. Ah, ça va être peut-être plus... Ça va tarder.
Ça va être tourné plus l'âge de meurtre que Jedi. Vous pouvez admirer le spectacle. Je vais montrer de quoi sont capables les Sith. Avant que vous partiez, sachez que la plupart de nos soldats vous soutiendront. Je kiffe. Qui refusaient de se battre. Ils étaient terrifiés après ce qui est arrivé au capitaine. Ils ont paniqué. Normalement, tu devrais pouvoir réparer ton matos là, je crois. Nous avons récupéré leur équipement. Là, il est à vous. Nous faisons de notre mieux pour vous obéir, je le jure. Nous avons récupéré leur équipement, il est à vous. Imbécile. Excellent. Il faut cesser de geindre, Minus. Ignorez-le. Je ferai en sorte qu'il ne vous importune plus à l'avenir. Oh oui, tu vas me faire plaisir. Vous rendre, navette. Le vol vers l'étoile de Brental risque tu me laisses le Jedi. Mais le grand mort je te laisse le Jedi. J'ai mis juste un coup. Juste pour avoir participé, tu vois. Oh, du matos. Ouais, mais non, si ça se trouve, comme il est... Tiens, le matos. Comme vous allez être niveau 10, ça va être galère. Ouvre le coffre. Où ça, le coffre? Là. Matos, où ça? What? Devant moi. Donc, ouais. Mais dégage! T'as toutes les bêtes qui sont en train de monter dessus en mode. Y'a quoi dedans? Alors, un garde-poignée en peau de Werrerg de Gamor, oui, d'accord. Bah, équipe-toi. Des crédits et un medikit. Équipe-toi des poignées perso. Ils sont plus puissants, les miens, je crois. Ouais, les miens, ils font 92. C'est quoi des gains de poignée? Perso, apparemment, comme j'en ai pas d'autres. Bah, prends-les, ça te fait du matos. Ouais, bah ouais. Ah putain, par contre, j'ai fait qu'il me gratte. Chouine. Mais fais gaffe, si ça se trouve, tu risques de la one-shot comme les Lascars, ils sont tous au niveau. Oh, c'est bon, hein, c'est un Jedi. Hein. Ouais, mais oh! J'ai envie de le buter, moi! Oh, mais t'as je veux juste foutre un petit coup normal. Je veux pas foutre un coup puissant, juste un petit coup normal. T'as vu comment elle m'a parlé? Tu crois que je veux me laisser insulter comme ça? Qui te dit que c'est elle que tu vas affronter? Ah non, ça va être le gros lard. Okay. Non, peut-être pas. Je te laisserai découvrir. Ça doit être le général. Ah merde, c'est le mauvais côté. Là, tu peux réparer ton matos là. Voulez-vous parcourir pour ça. Devant moi. Parce que là, comment te dire que. Devant moi, tu vas. Que là, t'as du jaune là qui est en train de s'activer au-dessus de ma gueule. Bim bip, bip bip, bip bip, danger. Ouais, voilà. C'est moi. Merci. Et tiens, je te vends mon. Ça et ça. Et de rien, connard. Bon, j'attends pour le point. Oui, voilà. Y'a pas de temps de chargement? Non. Une cinématique. Je te laisse piloter. Oui! Hein, moi au volant? Bah, tu t'es bien posé, regarde. Tu t'es bien posé à ce moment, au moment même où tu le dis, je vois le vaisseau en train de faire un espèce de putain de virage. Oula! Oh, c'est bon, hein, faut pas te sous-estimer. Hein. Comment ça? Bon, oui, bon, oui, bon, oui. C'est comment ça? Ah, il me les tue tous. Et là, j'adorerais. Oh, séquence d'autodestruction activée. Fuck. Hop. Ne les bute pas tous, sinon moi je fais comment après tout. D'accord. Là, c'est plus 12, plus 12, plus 12. Ouais, plus 42. Ah, écoute, va t'en tuer un peu aussi. Y'a rien là? Non, y'a pas de matos. Non, vas-y, je te laisse les tuer. Oui, je m'occupe des larmes. L'arme le plus loin, tiens. Ah, y'a d'autres larmes qui sont apparus.
Yo. Du crédit, du sous-sou. Un truc a fait exploser. Oui, j'étais obligé de faire exploser. Tiens, à chacun. Alors, j'ai une avant. Je vais appeler le druide au cas où. Druide, je le soigne. Très bien, il te soigne. Il est sérieux, il a demandé à son droïde de le soigner. Ok, merci. Bah, écoute. Mais t'as, elle sert à rien, puis elle te pique bon. L'XP. Yogatsai! T'as besoin d'aide pour le droïde? Baza! Laisse-moi ce putain de droïde, d'accord. Géant. Bon. Même si t'as un vu un plus gros. Non, tu soignes Nico. Soignez Nico. Au lieu de soigner son laisse partenaire. Tous, d'accord. T'es censé soigner Nico. Oh. Ah ouais. Quoi, ouais, pour robot qui en a rien à foutre. Ils sont en plein milieu. On a qu'à dire qu'il est résistant. Il est dissident le bordel. Je vais le raccourcir que d'une jambe. On verra bien s'il est toujours aussi dissident. D'un processeur plutôt. À moi. À moi, vous allez tous crever. Participation, voilà, j'ai participé. Allez. Ça, Jean, c'est la gueule. Brassard, hein? Prends-les. Ils font 92, les miens. J'ai des brassards. Sous. Ça remplace ce que t'as eu tout à l'heure. Mais ils doivent être plus puissants, je crois. Je veux... Ah putain, c'est des armures lourdes. Ah fuck. Putain. Je me disais aussi. Je te laisse le gars en or et je me charge les armes. Il est où le gars en or? Il est au milieu, je parie. Ouais. Trop de cul, quel... Ah ouais, le machin qui se prend en mode senseiyar. Lui, il a le trou du cul. Ouais, chef de la sécurité de l'étoile de Pantan. Ouais, vas-y. Nigensai! Voilà, il voulait soigner son patron. Non, 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 tu n'attaques pas. Mais putain, mais il vient de faire chier ton droïde. Il m'énerve ton machin. Vas-y, fais blip 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 bloop. Mais t'as attends, ils me disent qu'il faut buter tous les lascars. Oui, mais ça c'est un bonus. Là, fais bleu bleu jaune bleu bleu sur la console de commande. Rouge, vert, jaune, bleu. C'est quoi? C'est bon, t'as fait jaune jaune bleu 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 jaune. Ah non, pas assez longtemps, pardon. Voilà, là c'était le bon code. 72-47. Putain mais... Ah ou? Faut que je le fasse aussi? Blip 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 bloop. Ah voilà. Faut que je le fasse. Ici les droïdes protocolaires NR02. J'espère que vous me recevez clairement et que votre vol fut sans encombre. Ouais bah Nico avait un peu mieux pour piloter mais sinon. Les soldats arrivent. Ils vous couvriront et défendront la position. Les soldats arrivent. Bla bla bla. Il faut faire vite. Blablabla, bla, 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 ma pile sur ton front, ya! Yeah pas besoin de renfort. Je n'ai pas besoin de renfort. Je me débrouille très bien tout seul. Bon, on est deux, mais bon. Oui, mais... Je comprends.
Voilà, tu respectes. Rassure-moi, dis-moi qu'on peut en buter plus qu'un seul. Déjà que le Gugus en képi m'énerve, là je crois. Tu verras. Oh putain, si je peux, si on peut dissimuler. Silence, machine. Silence, machine. J'ai besoin qu'un droïde me dise ce que j'ai à faire. Compris. En oh, plus 4 points de sociabilité. Je vous contacterai si la situation évolue. Attaquez tous les droïdes de défense. J'ai un truc de bâtard. Moi, c'est le nez. Ah putain, et en plus, l'oreille droite, quoi. Le truc qui me fait bien chier. Je te les laisse. Oh oui, laisse-les-moi. Je m'occupe des autres. J'ai dit que je m'occupais des autres, voilà. Boing. Chouing. Pfff. Oh mon dieu, j'ai peur. Yo. J'ai fini Star Wars, le pouvoir de la force 2, au moins 10 fois d'affilée, et tout ça en mode hardcore. C'est pas des petites tapettes comme vous qui allez me faire peur. On m'attaque. Qu'est-ce à quoi? Ah non, c'est bon. À croire que j'ai donné à tout le monde ce putain de réflexe de dire Kezako, Kezaki, Pat. Ah tiens, c'est un des premiers boss dont je te parlais qui est aussi un sac à PV là. Donc on élimine ces larbins avant, puisque on sait jamais. Un autre druide. Il est à moi. D'abord on bute ces canards. T'as un gros le boss, c'est ça? Il y a PNJ qui me dit tu crois que je vais devant. Donnez mon adresse, il est mignon. Il est malade ce PNJ alors. Y'a un droïde. Ah putain. Je me craque les doigts avant. Le général, comment je vais le décapiter. En plus, la tête du commandant. Il a combien de points de vie? 13 000. Vous vous prenez pour un dur à cuire. J'espérais secrètement que vous essayeriez. Parce que oui, on va tous les tuer. Bah oui, ouais. Parce que si ça peut donner de l'XP en plus. Oui, surtout pour toi. Hein. Oh, il essaie de me faire quoi là, le petit hein. Bon, tu peux m'aider pour le général, c'est un peu un sac à PV. Ah, ok, toi t'es carrément parti là-bas. Ah, ouais, je fais la. Ah, oui, mais t'as oublié le commandant. T'as oublié le boss, toi. Ah, ouais, mais d'abord, je fais le. L'action bonus. Ah, mais tu sais, le commandant il compte. Ah d'accord, il compte ce sac à mort. Bah oui, sinon ça serait pas mort. D'accord. Il essaye de me faire mal, mais bon. À l'attaque pour la République. Et je vais te dire, j'ai presque rien perdu comme point de vie. Il est où? Tu reviens? Lui là-haut là? Ouais, celui que je combats. Infirmier de l'étoile noire ou je sais pas quoi là. Non, commandant. Celui que je combats. Mais, motherfucker. Tu combats ou qui se prend une raclée monumentale et absolue? Qui se prend une raclée monumentale et absolue? Mais bon, il me fait des revers de la main droite assez impressionnant même. C'est tout ce qu'il a. Eh oh, 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 par contre là je me prends du lance plein de partout là, c'est. Mais ça c'est ces petites bombes napalm, c'est rien. Mais je le vois pas en fait ce produit. Oh bah à moi l'XP. Non, je te jure, je te vois en train de frapper. Voilà. Couteau. Tu le veux ou je le prends? Puisque j'aurais un larmin qui aurait besoin de ça. Donc on branle. Ok, j'en ai besoin. Voilà. Et zip. Faut aller où encore? Bah là où t'étais tout à l'heure. Ok. Ah il m'avait. C'est lui que j'avais pas réussi à battre la dernière fois. Enfin. Non, j'avais pas réussi à le battre celui-là. Quoi, le gros lard, hein? Ouais.
Ah bah il était costaud, hein. 13 000 points de vie aussi quand t'es niveau 10. Bon, je pense qu'il faut aller au fond des machines ou je sais pas quoi. Ouais, je t'attends moi. Je te laisse le gars en argent. Putain, parce que... Par contre, je vais sur AFK deux petites minutes parce que... Faut que... Téléphone ? C'est surtout qu'elle m'a envoyé un message et j'aimerais bien lui répondre. D'accord. Bah, si tu veux, termine l'ennemi et puis réponds-lui. Hop, deux petites minutes. Mais t'as pas fini son Yvette, toi ? Voilà. Au bout de 6 saisons. Ah, ouais, ton robot là, il soigne tes potes et tout. Je suis d'accord qu'il se rende utile, mais bon. T'es censé soigner Nico. T'es pas censé nous soigner. Je sens que je vais monter Obscurité 2 à la fin de cette mission. Je pense que ça va être tellement bonheur. Putain, mais il t'attaque, toi. Il veut une branle de manouille. T'inquiète, là, il y a un boss ici. Et il compte dans l'objectif bonus. Attends, détruis les caisses de munitions. C'est ça, tu vois, là où je suis. C'est les espèces de consoles de commande. D'accord. Là, il y en a une devant. Avec le robot en or. Bon, attends, par contre, pour l'or, je te t'aime. Puisque. Pas déconner. Plus. Faut désactiver les 4 consoles de commande et il y aura un objectif bonus qui se déclenchera et ça donnera un boss. Là, vas-y, fais. Tape le code. Je sais pas ce que c'est. C'était quoi le code? Ok. C'est ma bite sur ton front, ya! Très visible. Ouah, le druide qui se combat à main nue. Ouah. Bon bah attends. Le mec, il en pleine guerre, il a le temps de taper le code. What is the problem? Vas-y, tape le dernier code et on débloquera le boss. Voilà. Mise à jour de l'objectif. Attends, non, reste ici. Voilà, tu le vois le droïde là? Quel droïde? Lui là? Ouais, ça y est, le bonus. 11 000 points de vie. Bonjour! J'aurais peut-être dû appeler Vette, non? Autant pis. Le mec, il est même pas le seul sur le jeu. Ouais, il est dissident. Regarde le robot, il se bat à main nue. Bah 11 000. Tu vois? Ouais, 11 000. Mais dada, c'est tout ce que t'as? Je te laisse le loot. Oui, je veux. Ah, ça c'est pour le robot. Vie. T'appelles le robot, tu lui fais un clic droit, ça lui fait un peu plus de bouclier. Du tout, en fait, mais ça tout va bien. Vous n'avez pas la compétence nécessaire pour utiliser... Putain. C'est le robot, je te dis, faut appeler le robot. Ah ouais, bah je l'ai le robot. Il est beau, il est mignon, il est gentil. Va est... sur le partenaire, ouais. Enfin, sur la case du partenaire, comme je t'ai dit. Alors, partenaire. Et là, tu fais un clic droit. Et là, normalement, ça devrait être bon. Ouais, mais comment te dire que ces abrutis m'ont foutu le truc de gestion d'équipage au lieu de l'inventaire? Ah, bah tu vas sur ton propre inventaire et tu fais partenaire.
Ouais, et il faut le foutre où Tu fais un clic droit, il va se foutre quoi, là où il faut. Non, non, il me dit va te faire foutre, c'est pas à toi. Hein? Attends, c'est un bouclier ou un générateur que t'as? Un générateur de bouclier avant-garde de machin. Oui, mais c'est requiert générateur ou requiert bouclier? Requiert bouclier. Ah, bah moi c'est marqué requiert générateur, ok. Donc c'est pas pour le droïde. Ou tu le revendras. Ouais, donc, you know what? Fuck you. Fuck it, et je reprends vite.